Eh bien, salut à tous, c'est Fixé, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme de camion, ça va nickel. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo analyse de chaîne YouTube, les amis. Je vais analyser la chaîne de Ajox Gaming, il a 46 abonnés et 2 vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur sa chaîne? Donc, il y a marqué 2 vidéos, mais là il en a 3, il en a 4. Ok. Donc, sa bannière. Alors, sa bannière, c'est pas trop mon délire, j'aime bien le fond. Mais je trouve que Ajox Gaming, ça gâche un peu. Bah, il faudrait que tu... améliore ta bannière, mets ton logo, j'aime beaucoup, mais ta bannière, si tu pouvais changer et par exemple mettre ton logo sur ta nouvelle bannière sur le côté, tu vois, avec ton pseudo, tes réseaux sociaux, tu vas sur Canva et tu la fais rapidement, c'est vachement, c'est super simple à mettre, à faire. Donc la propos, malheureusement il a pas mis la propos, donc je t'invite à en faire un, c'est très important. Ce que tu fais, tu te présentes, ouais je fais une vidéo par semaine ou je fais une vidéo par jour, tu vois, tes réseaux sociaux et si tu peux aussi créer un lien pour éventuellement les partenariats et tout, bon voilà. Et donc t'as 220 vues et t'es actif depuis le 30 juin 2019. Ok, donc discussion il n'y en a pas, chaîne, alors il présente aucune chaîne, playlist, il n'a pas fait de playlist. Playlist, là, il faudrait que tu crées des playlists, c'est très très important si tu veux que les gens se retrouvent, c'est super important les playlists. Et donc les vidéos comme on a dit, voilà. Donc il a fait 3 vidéos, donc c'est quoi ça du coup? Ah ok, c'est un live, d'accord. Elle est bizarre cette vidéo parce qu'elle est pas, elle prend pas toute la place, donc je sais pas comment t'as filmé ça, mais ouais, c'est dommage que tu parles pas non plus, que t'aies pas une intro et tout, c'est dommage. T'es pas, par exemple, tu sais, le bouton s'abonner et tout, c'est un peu dommage, mais bon, c'est le début donc tu peux t'améliorer. En tout cas, le jeu a l'air sympa, franchement. Les voilà. Je pense que j'installe. Mais ouais, il y a des trucs qui sont dommages quoi. Par exemple, tu parles pas, il n'y a pas de musique, la vidéo prend pas toute la place, t'as pas mis le bouton s'abonner pour que les gens s'abonnent éventuellement. T'as pas mis des petites fiches. D'ailleurs, les fiches vont être supprimées hein, le 10 juillet. J'en ai fait une vidéo pour ça du coup. J'ai plus de charge. Voilà quoi, ça c'est un peu dommage pour cette vidéo. Ou alors, j'ai regardé un peu tes vidéos, là, les 3 vidéos que t'as faites, et le problème qu'elles ont en fait. En commun, c'est que ça prend pas toute la place. C'est-à-dire qu'elles sont, je sais pas, là, c'est pas du 16/9 quoi. Donc c'est dommage. Après, tu parles pas beaucoup dans tes vidéos. Voilà, il manque des trucs quoi. C'est tout. Les miniatures, si tu pouvais faire des miniatures un peu mieux. Alors là, je suppose que c'est des images que t'as prises sur Internet ou alors sur le jeu que t'as mis dessus comme miniature, mais essaye, installe Pixar et sur Pixar tu peux carrément enregistrer des tu tapes par exemple contour multicolore et t'enregistres et tu l'as même sans connexion internet, donc c'est super cool. Et Pixar c'est vraiment le top pour faire les miniatures, moi c'est ce que j'utilise et je suis super content. Et voilà, parce que si t'as pas de bonne miniature, les gens vont pas cliquer, et s'ils cliquent pas, t'as pas de vue, donc ni de commentaire ni de like. Donc voilà, franchement c'est super important les miniatures, mais aussi des fiches, mets des écrans de fin, fais tout ça, c'est super important. Et surtout sois plus actif. Voilà, bon là je vois que t'as commencé du coup il n'y a pas très longtemps, 4 jours, 2 jours, 8 heures. Essaye, si tu peux, essaye de poster une vidéo soit tous les 2 jours, soit tous les jours, soit une fois par semaine. Mais essaye d'être, comment dire, de poster régulièrement et avec une durée. Par exemple, si tu postes tous les 2 jours, essaye de tenir ce rythme. C'est tous les 2 jours, c'est pas tous les 2 jours, puis une semaine après, tu fais tous les 2 jours, et puis à un moment donné, tu passes à une vidéo à 8h, une vidéo à 12h, tu vois, plusieurs vidéos le même jour. Non, non, il faut vraiment que tu sois vraiment dans le même rythme. Moi, je me suis donné un objectif, une vidéo par jour, je le tiens. Alors, bien évidemment, ça dépend, parfois quand je me réveille à 8h, ben, je la poste, la vidéo. Parfois, je me réveille à 1h ou 2h du matin, je la poste, tu vois. Ça dépend des heures, mais je veux dire, je fais en sorte quand même de la poster, tu vois, une vidéo par jour. Et toi, bon, c'est le début, je peux comprendre, le début de ma chaîne aussi, si j'avais à peu près ce même problème-là, le rythme, tout, n'était pas pareil. J'avais l'habitude de poster une à deux vidéos par semaine, mais je l'ai posté, voilà, un peu n'importe où dans la semaine, c'est-à-dire que je n'avais pas de jour prédéfini, tu vois. Donc, essaye de te faire un emploi du temps, avec tout simplement, lundi, je poste une vidéo, et puis lundi, tu vois, et mercredi, j'en poste une autre, tu vois. Et puis vendredi, j'en poste encore une autre, tu vois. Ça fait 3 vidéos par semaine, c'est déjà bien. Voilà, ça, et aussi fais ta pub sur Instagram.
Si t'as Instagram, fais ta pub dessus, c'est super important. Si t'as une petite communauté, par exemple sans abonnés comme moi, c'est cool parce que du coup les gens ils vont voir ta story et ils vont aller voir ta chaîne si bah, s'ils aiment ce que tu fais. Voilà, donc miniature, tout ça je te le dis. Et puis voilà, en tout cas, bon courage à toi, Ajax Gaming. Merci de me soutenir si tu me soutiens. Et puis même merci à toi tout simplement. Et puis voilà. Donc voilà les amis, la vidéo est finie. C'était une petite analyse de chaîne Rabidos comme je le fais d'habitude. Si vous voulez être analysé, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. N'hésitez pas à m'expliquer d'avoir des pouces bleus et à vous abonner, c'est très très important. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace. Back from the dead.